C'est connu, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue une atteinte grave aux droits fondamentaux. L'on pourrait citer par exemple les violences sexuelles, violences physiques et violences conjugales. Les conséquences de ces actes barbares sont dramatiques. Elles peuvent aller de troubles psycho-émotionnels aux blessures et peuvent même conduire à la mort. On note en plus les coûts très élevés des conséquences de la violence, se traduisant aussi bien par des dépenses en matière de soins de santé et de frais juridiques que par une perte de productivité. Ceci a un impact sur les budgets nationaux et plus globalement sur le développement. En Côte d'Ivoire, ces violences touchent actuellement 23% de la gente féminine. Un taux qui interpelle les autorités, elles s'engagent donc à corser les actions de lutte contre les violences faites aux femmes. Un engagement matérialisé par la création en 2000 d'un comité national de lutte contre les violences faites aux femmes. Ce service assure en plus de ses attributions en tant qu'organe de conception, d'exécution et de coordination, le secrétariat technique du comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Les activités cette année dans le pays vont tourner autour du thème « Tolérance zéro contre les violences faites aux femmes, aux jeunes filles et aux enfants ». La journée de lutte contre les violences faites aux femmes est née d'une résolution de l'ONU qui proclame le 25 novembre « Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes ». Une invitation de l'ONU au gouvernement et aux organismes internationaux à organiser ce jour-là des actions pour sensibiliser l'opinion au problème des violences faites aux femmes.